Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous les chers Verseaux. C'est votre tirage général et sentimental pour le mois d'août 2022. Alors j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Donc, avant de commencer votre tirage, simplement vous rappeler qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour aller chercher un complément d'information à ce tirage. Je vous rappelle toujours aussi avec ma petite clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne, simplement vous dire de garder votre sens critique durant le tirage. C'est certain que ça ne peut pas parler à tous les Verseaux puisque c'est un tirage général et que tous les Verseaux ne vivent pas la même chose en même temps, bien sûr. Alors de là l'importance d'aller voir les vidéos de votre ascendant et signe lunaire également. Aussi de garder votre pouvoir personnel, c'est très important pour moi, d'accord? C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors, on y va tout de suite déjà avec l'oracle de la triade pour voir dans quelle énergie vous évoluez, vous allez évoluer ce mois-ci. Donc, on commence avec la première carte, Papyrus. La deuxième carte, on a la nécessité. OK. Oh, et la troisième carte, on a la carte de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire, mes chers Verseaux, pour ce mois-ci? J'ai vraiment cette impression, en fait, peut-être qu'on vous encourage, pardon, d'abord à l'écriture, ce mois-ci particulièrement. J'ai l'impression même que ça devient une nécessité pour vous et écrire peut-être par rapport à l'amour. Alors là, c'est général, mais il peut s'agir par exemple, on vous suggère peut-être d'écrire un roman d'amour, on vous suggère peut-être d'écrire des articles qui concernent l'amour, les relations par exemple, on vous suggère peut-être aussi d'écrire un blog. C'est peut-être aussi le fait simplement d'écrire vos sentiments, ce que vous ressentez par rapport à l'amour, vous de votre côté. Mais on sent ce besoin, cette nécessité d'écrire par rapport à l'amour. D'accord? Alors là, c'est vous qui devez adapter le tirage à ce que vous vivez présentement. Peut-être que certaines personnes vivent une situation amoureuse un peu difficile et on a besoin d'échanger, on a besoin d'écrire. Peut-être que la communication ne se fait pas bien, peut-être, pardon, dans le couple. Et qu'on a besoin d'écrire à son conjoint, par exemple, ou ça peut. Et quand je parle d'amour ici, là, je vous ai parlé d'une relation, mais ça peut être une relation amicale, une relation familiale, où il y a beaucoup d'amour, mais que l'échange est difficile et compliqué. Alors, c'est peut-être mieux à ce moment-là d'écrire une lettre à la personne qu'on aime, voyez-vous? Donc, c'est comme si le fait d'écrire, ça devient comme une thérapie pour vous, pour échanger, pour verbaliser, pour faire sortir le méchant en vous, disons, par rapport à ce que vous vivez. Donc, c'est ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. On va aller voir ce que les cartes du tarot veulent nous dire par rapport à cette situation. OK, on a le valet d'épée. On a le 6 de coupe et on a le 5 de bâton. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens. Je vais finir de retourner les cartes, mais ça me dit, je comprends clairement ici ce qu'on veut nous dire. Attendez, ouais. OK. Oui, ce que je ressens ici, ami Verseau, c'est que certains ou plusieurs d'entre vous ont vécu peut-être une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, familiale, amicale, peu importe, mais une relation qui n'a pas été facile, une relation qui vous a fait beaucoup de mal, qui a été même aussi conflictuel, hein, avec le 5 de bâton. J'ai l'impression ici que vous avez vécu une relation très conflictuelle. J'ai aussi cette impression que, voyez-vous, vous avez des choses à dire. Hein? On l'a dit ici, comme si vous avez besoin d'écrire, mais vous avez aussi besoin de verbaliser certaines choses, d'écrire, de dire certaines choses.
En rapport avec une relation peut-être du passé, d'accord? Ça peut être une relation amoureuse passée, une relation peu importe qui n'est plus présente, mais qui s'est passée, qui est arrivée dans votre passé, et ça vous a blessé. C'est un, comment je pourrais dire, c'est un sentiment qui reste en vous et vous avez besoin de vous libérer de ces choses-là. Donc, soit par la parole, soit par l'écriture, c'est ce que je ressens ici. Beaucoup de douleur, hein, de peine. Mais pour que vous puissiez justement vous sortir de ce sentiment négatif, pour que vous puissiez, parce que regardez au cœur de votre tirage, on a la reine de bâton. C'est quelqu'un qui veut s'épanouir, c'est quelqu'un qui veut vivre à nouveau, c'est quelqu'un qui veut se réaliser, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à passer à autre chose, à vivre de nouvelles aventures, à peut-être prêt ou prête à donner son cœur à nouveau, mais qui est un peu dans la retenue, qui se sent un peu coincé, qui se sent un peu piégé, par justement les sentiments qu'elle ressent encore aujourd'hui en rapport avec une relation passée. Donc, c'est pour ça que ça serait important soit de parler, de verbaliser ou d'écrire en rapport avec l'amour. Peut-être que vous pouvez aussi écrire une lettre directement à la personne concernée. Et si vous n'avez plus accès à cette personne, peut-être brûler la lettre tout simplement, mais au moins de vous vider le cœur. C'est vraiment ce que je ressens ici, parce que c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir progresser dans votre vie. D'accord? Vous avez le chariot ici. Actuellement, peut-être que vous êtes une personne célibataire, une personne qui vivait seule, une personne indépendante, mais cependant, cette indépendance-là, c'est dû au fait peut-être que vous avez été beaucoup blessé auparavant et que vous avez du mal à vous ouvrir à nouveau à quelqu'un. D'accord? Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici, que pour progresser, bien, vous devez faire ce genre de thérapie, d'écriture, de verbaliser des choses. D'accord? Sortir un peu de cette emprise ou bien de ce sentiment d'être prise au piège, de ne pas pouvoir continuer votre vie. Voyez-vous? Et avec le chevalier de denier, c'est comme si on voulait vous dire que vous devez progresser, vous devez avancer vers quelque chose de nouveau dans votre vie pour retrouver votre stabilité intérieure par rapport à l'amour. Regardez, on termine avec la carte des amoureux. Alors, c'est vraiment, je pense, votre envie profonde que de retrouver votre stabilité intérieure, votre stabilité au niveau de l'amour. C'est comme si vous voulez vous ouvrir à quelque chose de nouveau en rapport avec l'amour, mais que vous avez un travail d'abord à faire avant d'y arriver. D'accord? Donc, au moins, ce qui est positif dans tout ça, c'est que vous avez le cœur ouvert pour ça. Mais il s'agit d'un choix que vous allez faire, dans le sens où si vous décidez d'accepter cette proposition qu'on vous donne de passer par un processus de guérison par la parole, par les écrits, bien, à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir vous libérer, justement, et vivre à nouveau l'amour comme il se doit. Mais c'est une question de choix. Vous pouvez aussi décider de ne rien faire et de rester dans ce sentiment d'emprise, dans ce sentiment de comme si vous êtes piégé dans des sentiments négatifs qui ne font que revenir à chaque fois que vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau de recréer des liens avec quelqu'un de nouveau, quel que soit le genre de relation. D'accord? Donc, c'est un choix que vous avez ici. Alors, on a une carte, disons, une carte conseil pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à ça. Alors, on a, oh, ben voyez, vous avez la carte, les discussions. Alors,
À défaut, justement, peut-être qu'on est en train de vous dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez des choses à dire. Peut-être que ça sera important de retrouver la personne qui vous a blessé, si vous n'êtes plus en contact avec elle ou avec lui, de retrouver cette personne-là pour avoir une discussion franche, une discussion ouverte, une discussion cœur à cœur, hein, peut-être sur un terrain neutre pour éviter les disputes, mais. Je vous dirais, ça fait partie d'une des solutions, d'accord, de discuter avec cette personne-là, parce qu'on sent vraiment que vous avez des choses à dire, que vous devez verbaliser, que vous devez vous vider le cœur, et peut-être que la discussion sera bénéfique. Mais à défaut de revoir la personne, d'être en mesure de discuter avec elle, c'est peut-être pour ça qu'on vous donne cette possibilité ou cette nécessité d'écrire en rapport avec l'amour. D'accord? Que ce soit un roman, que ce soit des articles, un blog, des mémoires, un journal, une lettre que vous envoyez à la personne concernée ou bien que vous brûlez après, peu importe le type d'écriture, d'accord? Et comment vous la gérez. Alors, c'est quand même très bien comme tirage, très bien comme conseil aussi, parce que le but, en fait, c'est de vous épanouir, c'est de retrouver cette capacité à aimer et à accueillir l'amour dans votre vie également à nouveau, d'accord? De sortir, disons, de l'emprise, de sortir de la douleur, en fait, et puis progresser. Donc voilà pour le tirage général. On va maintenant passer au tirage sentimental pour les Verseaux qui sont en couple pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Verseaux en couple? On a d'abord la carte de la lettre. Alors, encore une fois, on sent peut-être le besoin, et les oiseaux, on sent peut-être le besoin de communiquer vraiment, voyez-vous, encore une fois, en rapport avec l'amour. Hein? C'est vraiment ce mois-ci, pour vous, c'est quelque chose qui sera très important de verbaliser, de communiquer en rapport avec l'amour, de parler ouvertement. Voyez-vous, on a la dame, on a la clé et on a l'arbre. Donc, pour moi, c'est comme si c'est une question de santé mentale, santé du cœur, santé du couple. Voyez-vous? Alors, attendez, je vais vérifier ici qu'est-ce qu'on a. OK, ce que je ressens pour vous, pour certains d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure, vous avez besoin de verbaliser, de communiquer, de discuter avec votre partenaire au niveau de votre relation, au niveau du couple, au niveau de l'amour, de ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est comme si la solution, parce qu'on voit ici qu'il y a des difficultés dans votre couple actuellement. Il y a quelque chose qui ne va pas actuellement dans votre couple. Même si on peut sentir des liens assez serrés, mais au cœur de votre tirage, on a la solution à ces difficultés, à ces problèmes-là, d'accord? Sauf que, comment je pourrais dire? J'ai l'impression dans ce tirage que la solution, il y a une des deux personnes, hein, ici on a la dame, il y a une des deux personnes qui connaît la solution ou qui sait ce qui pourrait aider à la relation, aider à resserrer les liens, mais que il faut le, comment je parle, pas le consentement, mais il faut voyons. La collaboration de l'autre, il faut la collaboration du partenaire aussi, d'accord? Là, j'ai pas le partenaire, je vois pas ce qu'il fait, mais c'est comme si on me montre ici que la dame a beaucoup à offrir. Oh, j'ai même l'impression, je viens d'avoir cette impression aussi que peut-être que la femme est enceinte dans le couple. Ou peut-être que vous avez le désir en tant que couple d'avoir des enfants et que il y a une difficulté peut-être qui empêche que ça arrive ici. Mais la dame, on voit qu'elle a beaucoup à offrir. Je dis la dame, mais c'est un tirage général, donc adapté à votre situation. Vous avez beaucoup à offrir à l'autre, d'accord? Mais il y a quelque chose qui vient ternir un peu la relation actuellement.
Je vais voir peut-être dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit ici, parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose qui doit changer ici. On peut me parler de changement qui doit arriver, mais on peut aussi me parler de grossesse. C'est possible aussi de grossesse, de projet, de déménagement. C'est possible aussi, mais je vais essayer de voir dans le dos de deck. Ben, regardez, vous avez les souris. Donc, il y a une difficulté, il y a des soucis, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple actuellement, qui met un frein, disons, à la stabilité du couple. Regardez des difficultés encore une fois. J'ai vraiment l'impression, ici on a le foyer, on a les étoiles, donc j'ai vraiment l'impression, ok, ce que je ressens ici, c'est qu'on a envie, on a ce désir justement, on a ce désir d'enfanter, d'avoir un enfant dans le couple, on a le désir de créer une famille, hein, on espère que ça arrive, regardez, on a l'anneau, donc pour moi c'est comme si les deux aimeraient bien avoir des enfants, aimeraient bien fonder une famille. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a des choix à faire ici. On a le monsieur juste après. Et on a le trèfle également. Donc, et on a la lune. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vient troubler la sérénité, la pérennité du couple. Et j'ai l'impression que c'est monsieur, ou en tout cas l'énergie masculine, ou peu importe, hein, un des deux qui doit... faire un choix. Même si l'autre a une certaine solution, c'est l'autre personne du couple qui doit faire un choix. Et je sens que tant et aussi longtemps que ce choix-là ne sera pas pris, on ne pourra pas aller de l'avant avec le projet d'avoir un enfant ou de fonder une famille. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. On a besoin d'échanger, de parler, de discuter, de solidifier quelque chose ici. Je vais avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous... Ah! OK, avec l'améthyste love, on nous parle d'addiction. Pardon. D'addiction, attention aux dépendances malsaines. Alors, OK. Pour que la relation puisse continuer, progresser, avancer, il y a un personnage dans le couple qui doit faire le choix d'abandonner une addiction quelconque. La deuxième personne, elle a peut-être une solution. Donc, peut-être elle pense, par exemple, à une thérapie ou en tout cas, elle a une solution, mais il faut que l'autre personne accepte. Et tant et aussi longtemps que cet effort-là de se débarrasser d'une addiction quelconque, l'autre personne n'acceptera pas d'aller plus loin dans la relation ou bien de s'engager davantage, disons, à passer à une étape supérieure, soit d'avoir un enfant, soit d'aménager ensemble, soit, voyez-vous, il y a un travail ici à faire avant, parce qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup d'amour, on sent que la personne, elle tient à la relation, mais que si l'autre ne décide pas de faire quelque chose pour régler ce problème-là, on n'ira pas de l'avant. Parce que, justement, on a le cœur blessé. Il y a eu un événement qui est venu troubler la pérennité du couple, et puis on a eu le cœur blessé, donc on ne veut pas aller de l'avant tant que le problème n'est pas réglé, et ça crée une relation, voyez-vous, une relation instable. Voilà. Donc, voilà pour vous, mes chers Verseaux qui sont en couple. Si vous vivez une ou l'autre de ces une situation comme ça, peut-être me laisser un commentaire pour me dire que ça vous parle. Mais en tout cas, je vous souhaite sincèrement que les choses s'arrangent pour que vous puissiez progresser dans votre vie de couple. Ça serait dommage de perdre cette opportunité, hein, de créer une famille, créer un couple uni ou de garder ce couple uni. Alors voilà pour vous, Verseau en couple. On y va maintenant pour le tirage des célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers célibataires? OK, on commence avec le soleil, le lys, la dame. OK, ça commence bien. Le Verseau, le livre, la faux, la haute tour, le cercueil et les jardins. OK.
OK, wow. Ce que j'ai l'impression ici pour vous, amis Verseau, célibataire, j'ai l'impression que, ben, d'abord, j'ai l'impression que vous êtes heureux, heureuse dans votre célibat. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. On a quand même le soleil et le lys, comme si vous vous sentez épanoui. Ici, on a la dame, mais il peut s'agir de l'homme aussi. Là, c'est juste une énergie, comme c'est un tirage général. Alors, c'est comme si je sens que vous êtes heureux et épanoui dans votre célibat. C'est pas quelque chose qui vous dérange nécessairement d'être seul, d'être célibataire. Mais j'ai l'impression que vous pourriez avoir une certaine surprise, dans le sens où je vois peut-être ici un déplacement, un voyage. Peut-être vous allez partir, ben, vous savez, on est dans le temps des vacances, alors peut-être vous allez faire un voyage, un déplacement, changer de ville pour un certain temps. Et j'ai l'impression que vous allez faire la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ici, on a la faux, mais pour moi, c'est comme si on récolte une rencontre. D'accord? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez apprendre à connaître et qui va peut-être faire en sorte éventuellement que vous allez sortir du célibat. D'accord? Même si vous êtes heureux ou heureuse en tant que célibataire, on sent ici peut-être que cette rencontre-là, quelqu'un que vous allez apprendre à connaître en voyage ou en déplacement, va faire en sorte que vous allez sortir du célibat. J'ai eu cette vague impression aussi peut-être que cette personne qui allait vous sortir du célibat, c'est peut-être, bon, je dis ça comme ça, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par exemple à l'agence de voyage. Voyez-vous, c'est parce qu'on a quand même une institution ici, puis on a le voyage. Alors, j'ai eu cette idée peut-être que en allant préparer votre voyage, vous allez faire la rencontre de quelqu'un, peut-être à l'agence de voyage ou à l'aéroport, ou voyez-vous, ce genre de choses, ou est-ce que vous allez prendre le train, par exemple, ou peu importe. D'accord? Alors, voilà, donc. Moi, je pense que certains Verseaux vont revenir avec le cœur rempli de joie, rempli d'amour, et puis une nouvelle relation qui va peut-être débuter. Alors, je vais voir. Ben, mon Dieu, regardez ce qu'on a avec l'oracle du grand amour. On a le départ. Souvent, cette carte-là, elle peut nous parler de quelqu'un qui quitte et qui nous laisse dans la tristesse. Mais peut-être dans ce tirage-ci, j'ai plus l'impression que c'est vous qui faites un départ, qui faites un voyage, et puis surtout avec le reste des cartes qu'elle allait rencontrer. Peut-être aussi que ça nous parle tout simplement que suite au voyage, vous allez devoir quitter la personne et puis on doit attendre pour voir la suite des choses. Ben, regardez, vous avez la carte du coup de foudre. Alors pour moi, vous allez faire une rencontre qui va être assez significative pour vous, hein, qui va venir un peu chambouler votre cœur. Et puis, c'est une rencontre qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vous apporter de la joie au cœur. Peut-être que vous allez être beaucoup plus heureux, heureuse. Parce que, en fait, ce que je ressens ici, c'est comme si c'est un complément. Hein? Cette rencontre-là, c'est comme si c'est un complément. Vous n'avez pas besoin de ça pour être heureux ou heureuse, mais c'est un complément, un plus, un bonus dans votre vie. D'accord? Dos de deck, de ce deck, on voit, peut-être voyez-vous, de la nouveauté dans votre vie amoureuse, des discussions, des flirts. Voyez-vous, on a quand même des belles cartes. Voyez-vous, vous avez quelqu'un qui vient vers vous, c'est ça. Vous avez quelqu'un qui vient vers vous, une personne, un bon compagnon, si je peux dire ça ici. On a l'homme juste derrière aussi. Alors pour moi, ça confirme. La rencontre, hein. Peut-être beaucoup d'abondance, peut-être beaucoup quelqu'un qui est assez bien nanti, voyez-vous, avec la cigogne, peut-être ça nous confirme que c'est pendant le voyage que vous faites la rencontre, voyez-vous. Donc, tout concorde un peu dans le sens que je ressentais les cartes pour vous. Alors, ben, bonne chance pour vous, hein, mes chers Verseaux célibataires, ceux et celles qui veulent entrer en relation avec quelqu'un, bien, c'est votre moi, donc profitez-en.
Alors voilà, mes chers amis Verseau, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites. Ça me fera plaisir de vous lire. Partager, liker, ça fait toujours plaisir également. Et puis, comme je le mentionnais en préambule, prenez à partir de maintenant peut-être prendre l'habitude de regarder dans la description. J'aurai probablement des choses à vous proposer éventuellement. Alors, prenez l'habitude là, de vérifier dans la description ce qui vous sera proposé. Alors, je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre écoute, merci de votre présence et puis on se retrouve le mois prochain. Au revoir.